vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire une petite recette sans cuisson. J'ai vu que vous avez aimé ça. On va faire des truffes au chocolat. Pour ça, il nous faut juste que trois ingrédients. Alors, tout d'abord, une tablette de chocolat noir ou chocolat au lait, comme vous voulez. Un peu de vanille. Si vous n'avez pas de vanille comme ça, vous pouvez mettre sucre vanillé et de la crème liquide entière, une petite bouteille de 100 ml. Et ça, pour la décoration, c'est du cacao en poudre. Alors, tout d'abord, on fait chauffer notre crème. On rajoute un petit peu de vanille. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de vanille comme ça, vous pouvez mettre du sucre vanillé. Et on laisse bien chauffer notre crème. Quand notre crème est bien chaude, on la renverse dans un saladier avec notre chocolat. Et on laisse 1 minute avant de mélanger. 1 minute après, on peut mélanger. Vous voyez, ça fond direct. On mélange bien notre préparation. Quand notre préparation est bien mélangée, on la met au frigo pendant une nuit. Mais si vous ne voulez pas patienter, vous la laissez au moins 4 heures. Moi, je vais la laisser toute la nuit. Demain matin, Inch'Allah, je vais façonner mes petites boules. Voilà, vous mettez votre papier film au contact du chocolat. Et là, vous pouvez le mettre au frais pendant 4 heures ou toute une nuit. Mais c'est préférable ou toute une nuit. Je vous dis à demain pour la suite de la. Nous revoilà le lendemain avec mon chocolat que j'ai mis au frigidaire. Donc, quand on a sorti notre chocolat du frigo, notre chocolat, il est comme une pâte à tartiner, comme ça. Il faut vite le manipuler, ou sinon ça fond dans la bouche, ça fond dans les mains. Donc, on essaie de former une boule. Quand on a formé une boule, on le pose dans notre cacao. Voilà. Après, vous pouvez le mettre dans notre coco, comme vous voulez, hein. Je reforme ma petite boule. On le trempe et on le pose dans nos caissettes. Voilà, très facile et très rapide. On prend notre pâte. Faut vite la travailler parce que ça fond dans les mains. On la trempe dans notre chocolat. Voilà. Et ma truffe, elle est faite. Facile et rapide. Donc voilà les amis, mes petites truffes au chocolat, facile et rapide. Voilà, maintenant il y a juste à laisser au frais et déguster. Voilà, comme je sais que vous aimez bien mes recettes faciles et rapides et surtout les gâteaux sans cuisson, donc j'essaie de vous en faire plus en plus. Et voilà, donc et n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit partage et abonnez-vous pour d'autres petites recettes. Et je vous remercie de me suivre. Au revoir.